Bonjour, monsieur. Que puis-je pour vous? J'aimerais savoir s'il vous reste une chambre de libre, s'il vous plaît. Une chambre, pas de problème. Vous la voulez côté cour ou côté rue? Le côté rue est toujours un petit peu plus bruyant. Vous avez vu sur la place, certains aiment, c'est plus vivant. Est-ce que ça vous dérange? Non, ça ne me dérange pas du tout. Non, bien au contraire. Je pense que la vue va me plaire. C'est notre plus belle chambre. Elle est libre uniquement parce que c'est hors saison. En été, elle est toujours très demandée. Nos clients viennent des quatre coins du monde. Ils viennent d'Amérique et du Japon. Je vous présente Louis, notre garçon d'étage. Bonjour, monsieur. Si vous avez besoin d'autre chose... Non, merci. Merci. C'est la première fois que vous venez dans notre ville? Oui, c'est la première fois. Êtes-vous ici pour affaires? Non, je ne suis pas venu dans votre ville pour affaires. Alors, je vous souhaite de passer un agréable séjour. Je suis sûr que vous vous plairez chez nous. Est-ce que vous pouvez m'apporter un annuaire téléphonique? Puis-je vous être utile? Non, merci, je vais seulement faire un petit tour en ville. Ah, juste une question. Le nom de Kirchheimer, ça vous dit quelque chose? Kirchheimer, oui, il y a deux familles de ce nom en ville. Hugo Kirchheimer. Hugo Kirchheimer, oui, je le connais, c'est le notaire. Waldstrasse au vin, des gens très sympathiques. Il était au conseil municipal. Vous le connaissez? Non, non, je ne le connais pas. Excusez-moi. Pouvez-vous me dire où se trouve la Waldstrasse, s'il vous plaît? C'est droit devant vous. Merci. Ça va? Tu n'as rien oublié? Sois prudent. Ouais, t'inquiète pas. Salut. Voilà, monsieur. Une bière bien fraîche. Est-ce que vous connaissez très bien ce monsieur Kirchheimer? Oui, bien sûr. Tout le monde le connaît. C'est un homme très gentil. Est-ce qu'il a des enfants? Oui, il n'a qu'un fils. Un jeune homme très bien élevé. C'est une famille très bien, vous savez. Et il a seulement ce garçon? Oui, il n'a que ce garçon. Est-ce qu'il n'a jamais eu d'autres enfants? Eh bien, ils avaient également une fille, mais c'est une bien triste histoire, vous savez. Comment ça, une bien triste histoire? Ulrike a disparu il y a 2 ans et plus personne ne l'a jamais revue. C'était une jolie fille. Elle était également très bonne gymnaste. Elle était aussi très forte en natation. Elle avait été championne. Elle a disparu du jour au lendemain. Plus personne n'a plus jamais entendu parler d'elle. Mais une jeune fille aussi parfaite que celle que vous me décrivez ne peut pas avoir disparu comme ça. C'est bien ce que je vous disais, personne n'a jamais compris. Bonjour, monsieur.
Avez-vous bien dormi? Oui, je vous remercie. Vous avez déjeuné? Voulez-vous me rendre service? Pourriez-vous appeler M. Kirchheimer de ma part afin de lui demander de me fixer un rendez-vous? Vous voulez rencontrer M. Kirchheimer? Oui. Vous lui donnerez mon nom. Dites-lui que je viens de Munich. Dites-lui également que je suis un journaliste. Je veux bien le faire, seulement on est dimanche, il doit être à l'église. Je remonte dans ma chambre. Dès que vous l'aurez contacté, faites-le moi savoir. Oui, j'écoute. Ici M. Kirchheimer. On m'a dit que vous désiriez me rencontrer. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre nom. Monsieur Dellinger, vous êtes journaliste? Non, en réalité, je ne suis pas vraiment journaliste. Je suis écrivain. J'écris des nouvelles, des livres. Mais je traite toujours de sujets que j'essaie d'emprunter à la réalité. Mais qu'est-ce que je dois comprendre? Excusez-moi d'être aussi direct, mais qu'avez-vous à raconter à mon sujet? Je veux parler de votre fille Ulrike. Qu'est-ce que vous dites? Écoutez, ma fille a disparu il y a 2 ans sans laisser de traces. Est-ce que vous savez quelque chose sur elle? Non. Laissez-moi vous expliquer. Le destin de votre fille m'intéresse au plus haut point. Et c'est pour cette raison que je suis venu ici, afin de vous rencontrer. Je voudrais en parler avec vous. Bonjour, monsieur. Je suis Rolf Kirchheimer. Je vous en prie, entrez. Mes parents vous attendent. Monsieur, ma femme, mon fils, votre appel nous a bouleversés tous les trois. Ma fille était... Que savez-vous? J'aimerais bien pouvoir vous expliquer ce qui m'a incité à venir vous voir. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai déjà dit au téléphone, je porte un grand intérêt à ce qui est arrivé à votre fille. J'en ai entendu parler. Aussi, j'aimerais beaucoup approfondir certains petits détails. Je suis en train de regrouper le plus de documentation possible afin de monter un dossier sur les personnes disparues. La presse? Que cherchez-vous? Vous voulez satisfaire votre curiosité? On en a assez, vous savez. Des rapports de ce style, on en a déjà des piles. Les pires horreurs ont déjà été écrites, monsieur. Non. Je n'ai pas l'intention d'écrire des horreurs, je veux simplement comprendre. Depuis que j'ai eu vent de cette affaire, je ne pense qu'à ça, elle ne me laisse plus en paix. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est ce qui m'a incité à vous demander une entrevue. D'où venez-vous, monsieur? Eh bien, je viens de Munich. Pouvez-vous nous dire qui vous a parlé de la disparition de ma sœur? C'est la police, hein? J'ai pu avoir accès à tous les rapports, ainsi qu'aux articles de presse de l'époque qui ont parlé de sa disparition. Après avoir lu toutes ces choses, j'ai eu envie de vous rencontrer. Vous voulez apprendre autre chose? Oui, j'aimerais savoir qui elle était, quel genre de personne c'était. J'ai pensé que ça pourrait certainement m'aider d'en apprendre un peu plus en rencontrant sa famille. C'est simplement de la curiosité. Je ne vois pas en quoi cela vous regarde. Vous ne connaissez donc pas ce sentiment? Vous ne comprenez donc pas que je puisse être bouleversé? On ne vit pas tout seul sur Terre, aussi permettez-moi d'être bouleversé par le malheur des autres. Je ne vois là rien d'anormal. Je vous prie de m'excuser. Puis-je vous offrir quelque chose? Voulez-vous vous asseoir? Est-ce que vous voulez un café? Non. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Mais peut-être que vous... Est-ce que vous avez des photos de votre fille? Oui, bien entendu. Vous voulez voir ces photos? Si vous le permettez. J'aimerais tellement connaître son visage. Vous comprenez, j'aimerais tellement me faire une image de votre fille. Je comprends, oui. Je vais chercher les photos. Pourquoi
Pourquoi veut-il voir des photos d'Ulrike? Ce type n'est pas clair. Qu'est-ce qu'il veut écrire? Il nous a parlé de livres sur des personnes disparues, mais moi, je le crois pas. Il me fait une bonne impression. Il a l'air très sérieux. Oui, je crois que cet homme est sérieux. C'était une enfant très douée, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Elle s'intéressait à tout. Ça se voit, elle avait l'œil pétillant. Elle était pleine d'ambition. Elle croyait en l'avenir. On peut le lire sur son visage. Elle aimait la vie. Vous ne demandez même pas comment elle a disparu? Mais je le sais déjà. Vous oubliez que j'ai lu tous les rapports de police. Votre fille allait souvent à Munich? Oui. Dans les discothèques? La danse était devenue une passion pour notre fille. Ça ne nous plaisait pas du tout. On l'a souvent suppliée de ne pas aller aussi souvent à Munich. À une époque, elle y allait tous les jours. Elle disait qu'elle y avait beaucoup d'amis très intéressants. Et à la suite d'une de ces soirées entre amis, elle n'est jamais revenue de Munich. Le crime ne serait pas totalement exclu, d'après les policiers. Mais ils n'ont trouvé aucun indice valable. Dites-moi, monsieur, quel genre de dossier comptez-vous constituer? Et pourquoi? Je peux vous assurer que vous le saurez, croyez-moi, jeune homme. Je vous en prie, il est inutile de vous faire de fausses idées à mon sujet. Je vous remercie de m'avoir autorisé à regarder ces photos. C'était très important pour moi. Important. Il s'est suicidé? Oui, et il a laissé une lettre. Il l'avait laissée sur le bureau de sa chambre d'hôtel.
Dans cette lettre, il a noté ses dernières dispositions testamentaires. Quelles dispositions? Dès que je serai mort, je veux faire don de mon cœur à la famille Kirchheimer, afin qu'ils puissent l'enterrer. Car il s'agit du cœur de leur fille. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. De quoi est-ce qu'il veut parler? Cet homme avait la cicatrice d'une opération à cœur ouvert. Le médecin légiste a déclaré avec certitude qu'il avait eu une transplantation cardiaque. Il parle du cœur de ma fille? J'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Montrez-moi cette lettre. Il y a sûrement autre chose. Il n'a rien ajouté de plus. Il n'y a que ça. Rolf, explique-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Cet homme est venu nous voir. Où sont les albums? Il a regardé des photos avec nous. Je vais te dire ce que ça signifie. Ça signifie qu'Ulrike a été tué. Je ne vois pas d'autre explication à ce qu'il a écrit dans la lettre. Il l'a voulu dire. Mon cœur n'est pas le mien. C'est celui de votre fille. Comment ça a pu arriver? Tout ceci est à peine croyable. Il a marché plusieurs minutes sur les rails en attendant l'arrivée du train. Il a laissé une lettre à son hôtel disant que son cœur n'était pas le sien et qu'il en faisait don à ses gens pour qu'ils l'enterrent, parce que son cœur était celui de leur fille. Cet homme a subi une transplantation avec le cœur d'une jeune fille qui n'est jamais rentrée chez elle, parce qu'elle avait été assassinée. Tu veux dire que le type qui s'est suicidé en passant sous le train s'est donné la main uniquement pour rendre le cœur à la famille? Mais alors ça veut dire qu'il se serait suicidé uniquement pour ça, il n'y aurait pas d'autre raison. Après avoir passé un grand moment devant des photos, il les aurait regardés avec beaucoup de compassion. Mais alors ça voudrait dire également qu'il savait très exactement qui était le donneur. Il a voulu savoir qui était cette fille, d'où elle venait, comment est-ce qu'elle avait vécu, et peut-être qu'il a fini par apprendre que cette jeune fille avait été victime d'un meurtre. Alors il a marché le long de la voie ferrée, quand il a vu le train arriver au loin, il s'est allongé sur les rails d'une manière très réfléchie. Il ne voulait surtout pas endommager ce qu'il avait l'intention de rendre. Je suis d'accord, c'est une chose terrible, c'est tragique, je suis d'accord, mais ça ne nous regarde pas. À présent, nous devons nous pencher sur le meurtre de cette jeune fille qui remonte à 2 ans. Qu'allons-nous faire? Moi, je pense qu'on devrait d'abord essayer d'en savoir un peu plus sur cet homme. Il faudrait savoir s'il a de la famille, des enfants. Parce que je suis persuadé que la famille du donneur aimerait bien en savoir un peu plus, elle aussi, sur la personnalité du greffé. Ça fait des jours qu'on t'a pas vu. Où t'étais passé? Je suis désolé. J'avais d'autres choses à faire. On s'est fait du souci pour toi. T'aurais pu passer un coup de fil. Fallait pas vous inquiéter. Nous avons enterré le cœur de ma sœur. Quelqu'un nous l'a rendu parce qu'il en voulait plus. Et un type qui est venu nous voir, on lui avait transplanté le cœur de ma sœur. Mais la police est déjà venue me voir. Je leur ai déjà dit ce que je savais. Si vous venez me parler de la lettre que mon mari a écrite juste avant son suicide, je suis désolée, mais je ne vois absolument pas ce qu'il a voulu dire. Elle est mystérieuse autant pour moi que pour ceux qui ont connu mon mari. Et qui ont entendu parler de cette histoire de cœur. C'est à ce sujet que nous sommes là. On m'a déjà posé des questions à ce sujet. On m'a dit que dès qu'on n'aurait plus d'informations, un procès verbal serait rédigé. Oui, il a déjà été rédigé. Et il est écrit qu'il y a 2 ans, votre mari a subi une transplantation cardiaque. Est-ce que vous pouvez nous dire où? Je ne peux pas vous le dire, je l'ignore. Je sais très bien que cela peut vous sembler un peu bizarre,
Mais mon mari a souhaité que tout ceci reste secret, voilà tout. Il m'avait dit ceci. Nous savons ce qu'il a dit, c'est écrit ici. Votre mari vous a dit qu'il partait pour Rome, pour subir quelques examens et prendre un peu de vacances. Oui, il est revenu après quelques semaines. Il m'a informé qu'il avait soi-disant subi une transplantation, qu'il allait tout à fait bien. Il ne vous a rien dit de plus? Si, il m'a également dit que le hasard avait voulu que l'hôpital ait trouvé rapidement un donneur compatible. Mais mon mari ne m'en avait pas dit plus. Il m'avait simplement dit qu'on s'était merveilleusement bien occupé de lui. D'après ce que je crois comprendre, votre mari n'a pas connu tout de suite l'identité du donneur. Ce n'est que bien plus tard qu'il a dû l'apprendre. Et ça l'a complètement bouleversé. Ah, je ne suis pas au courant de ça. Vous connaissiez sans doute très bien votre mari. Dans ce cas, pourriez-vous me dire si, par exemple, son comportement avait changé, si dans sa façon d'être, vous aviez remarqué quelques petites choses inhabituelles? Oui. Ces derniers temps, il s'est mis à changer il y a une semaine. Oui, c'est ça. En quoi est-ce qu'il avait changé? Il ne me parlait presque plus. Et il ne vous a pas expliqué pourquoi? Ce n'était pas son style de donner des explications. Mon mari était discret, un peu renfermé. C'était un être difficile à comprendre. Il ne montrait aucun sentiment. Parce qu'il n'en avait aucun. Vous dites qu'il n'avait aucun sentiment? Il avait pourtant beaucoup de mal à supporter le fait de vivre avec le cœur d'une jeune fille qui était morte dans des circonstances douteuses. On l'a assassinée. Elle a été assassinée? Nous n'en sommes pas encore certains, mais nous avons tout lieu de le penser. Une minute, je vous en prie. Vous essayez de me dire que mon mari ne connaissait absolument pas l'identité du donneur. Et que c'est par hasard qu'il aurait appris il y a environ une semaine qu'il s'agissait d'une jeune fille. Et que cette jeune fille aurait été assassinée pour qu'on le greffe. Oui, c'est pour ça qu'on est là, pour en savoir plus. S'il s'agit vraiment d'un meurtre, nous voulons régler cette affaire au plus vite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous nous en avez déjà appris pas mal. Vous nous avez dit que votre mari avait commencé à changer d'attitude depuis une semaine. Et je trouve cette information très intéressante. Que s'est-il passé il y a une semaine? Eh bien, rien de vraiment spécial. Il s'est rendu à son travail comme il le faisait chaque jour. Et puis tout à coup, il a décidé de ne plus y retourner. Il m'a dit que dorénavant, il préférait travailler à la maison. Mais il ne travaillait quasiment plus. Comment saviez-vous qu'il ne travaillait pas? Chaque fois que j'entrais dans la pièce, je voyais qu'il ne faisait rien. Il ne répondait à aucune question que je lui posais. Mais ça ne me dérangeait pas. Parce que ça faisait déjà longtemps qu'on ne s'aimait plus. Je sais déjà pourquoi vous venez me voir. Vous connaissez Madame Dallinger? Madame Dallinger. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Je crois que vous êtes un des collaborateurs les plus importants de cette société. Oui, disons que je suis... Oh, je vous en prie, asseyez-vous. Oui, merci. Oui, je suis bouleversé par la mort de Ludwig Dallinger, comme tout le monde ici se jeter sous un train. J'avoue que c'est difficile à croire. Pour moi, c'est incompréhensible. Un homme tellement exceptionnel, toujours capable de faire face aux situations les plus critiques. Je ne peux pas croire qu'il se soit donné la mort. Que s'est-il passé il y a une semaine? Une semaine? Qu'est-ce qui aurait dû se passer? Ces messieurs m'ont parlé d'un changement dans sa façon d'être. Et en effet, je l'avais remarqué. Depuis une semaine, il n'était plus le même. Il n'était plus le même? Comment ça, plus le même? Il ne sortait presque plus de la maison. Et il n'allait plus au bureau. Ah, c'est vrai, vous avez raison. Mais j'avoue que ces détails ne m'ont pas frappé. Par contre, je me demande pourquoi est-ce que pour vous, c'est si important? Eh bien, nous pensons que ça fait environ une semaine qu'il a appris l'identité du donneur et que cette révélation l'a bouleversé. Mais comment est-ce qu'il l'aurait appris? Ce genre de renseignement n'est jamais divulgué. Vous savez certainement dans quel hôpital il a été opéré. Vous serez sans doute étonné
d'apprendre que ni moi ni sa femme ne savions rien au sujet de son opération, mais c'est pourtant la vérité. Il ne parlait jamais de ses affaires personnelles. Il nous disait seulement « Mon cœur ne regarde que moi, je suis désolé. » Vous prétendez que même à vous, son associé, il n'a rien dit? Non. Il avait sans doute une excellente raison. Est-ce que je peux la dire? Bien entendu. Il existe en Europe un bureau central qui s'occupe de gérer les dons d'organes, mais les listes d'attente sont très longues. Il existe certainement d'autres possibilités pour les gens suffisamment riches. Mais l'argent ouvre des portes. Je présume que c'est pour ça qu'il ne nous a rien dit au sujet de son opération. Savez-vous de quelle somme est-ce qu'il a pu disposer pour se faire opérer? Non. Et vous, le savez-vous? Non. Eh bien, nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. Oh, vous ne nous dérangez pas, absolument pas. Je dirais que vous nous avez tout au plus irrités, vous l'avez remarqué. Oui, c'est vrai, je l'avais remarqué. Monsieur Derrick, je crois qu'il faut absolument que je vous présente mes excuses. Mais pourquoi ? Monsieur Bertrand m'a dit que vous nous auriez un peu irrités. J'ai eu l'impression que ce mot ne vous avait pas plu. Est-ce qu'il vous a plu à vous? Non, il ne m'a pas plu. Je trouve qu'il est allé trop loin. Oui, beaucoup trop loin. J'ai une faveur à vous demander. Enfin, si vous voulez bien. Pouvez-vous me montrer l'endroit où mon mari s'est suicidé? Ma demande a dû vous étonner, n'est-ce pas? Non, non, absolument pas. Je vous ai dit quelque chose que je n'aurais jamais dû vous dire. Je vous ai dit que je n'aimais plus mon mari. Pour être plus exact, j'aurais dû dire que j'avais renoncé à aimer cet homme. Il était froid, brutal. Il ne prononçait jamais un mot gentil. Petit à petit, je me suis glacée devant lui. Alors, pourquoi voulez-vous voir l'endroit où il est mort? Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, voilà, sa voiture est égarée là, et il a grimpé de ce côté sur la voie ferrée. Je ne parviens pas à me débarrasser d'une sensation étrange qui me dit sans cesse « Va voir où c'était ». Bien, d'accord. C'était là? Oui, oui. Et ensuite, il est monté sur les rails, là-bas, il a avancé. Et ensuite? Il a marché pendant plusieurs minutes. Où est-ce qu'il a été renversé? C'était bien plus loin en avant. Je vous l'ai dit, il a beaucoup marché. Et le train est arrivé. Combien de temps a-t-il marché? D'après nos calculs, il a dû marcher pendant 20 minutes. Et quand il a entendu le train arriver, il s'est couché sur les rails et il a attendu. Qui est ce garçon? Ce garçon est le jeune frère d'Ulrich Kirchheimer. Qu'est-ce qu'il me veut? S'il vous plaît, dites-lui que je... Ça veut dire que vous refusez d'aller lui parler. Et vous n'êtes pas d'accord, n'est-ce pas? Non. Très bien. Je viens d'apprendre à l'instant qui vous êtes. Moi, je suis Eva Dallinger. Suivez-moi. J'ai appelé votre bureau et on m'a dit que je pourrais vous trouver ici. On a eu raison. Je crois que je devrais m'excuser de vous déranger, Madame Dallinger. Mais je crois malgré tout
que ma visite est logique. Est-ce que vous avez du nouveau? Oui, je veux dire, est-ce qu'on a pu savoir dans quel hôpital votre mari a subi son opération? On ne le sait toujours pas. Je voulais vous dire que je n'ai rien contre votre mari. De nos jours, les dons d'organes sont nécessaires, ils n'ont rien d'exceptionnel. Mais vous savez ce que je comprends pas? Votre mari avait ce nouveau cœur depuis 2 ans dans son corps. Et tout à coup, il apprend à qui appartient ce cœur. Et que ça avait probablement un lien direct avec le meurtre d'une jeune fille. On pense que ma sœur a été assassinée. Seulement, votre mari ne savait rien de tout ça. Il l'a appris longtemps après, mais... Mais quand est-ce qu'on lui a appris la vérité? Il a appris la vérité il y a environ une semaine. Une semaine? Et comment vous le savez? Quelques indices nous poussent à le penser. Mais quelle sorte d'indices? Eh bien, à partir de ce moment-là, il a complètement changé d'attitude. Il a changé d'attitude, mais comment il... Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne se rendait plus à son travail. Il restait chez lui, enfermé dans sa chambre. Dans sa chambre? Enfin, dans son bureau. Ici, dans la maison? Oui, il ne disait plus un mot. Est-ce que je pourrais voir cette pièce? Alors, il restait là. Oui, sans parler à personne. Parce qu'il ne supportait plus ce qu'il venait d'apprendre. Et alors, il voulait savoir qui était cette fille dont il avait le cœur. Il est venu nous voir chez nous. Il a regardé quelques photos de ma sœur. Et ensuite, il est allé se coucher sur les rails. J'admire votre mari. Je ne fais que passer, sans raison valable. J'avais simplement envie de vous rencontrer. En sachant que vous risquiez de me mettre à la porte, ce que je comprendrais. D'accord, salut. Bonjour. En tout cas, c'est nouveau pour nous que quelqu'un passe nous voir sans aucune raison. Bien. Maintenant, dites-moi pourquoi vous êtes là. En réalité, je tenais à vous dire que ce jeune homme m'a fait une impression terrible. Parlez-moi un peu de lui. Je ne sais pas grand-chose à son sujet. Et toi, Harry? Il vient tout juste de terminer ses études. Il a étudié la musique et depuis, il joue dans un orchestre. Mais c'est à peu près tout ce que nous savons de lui. Ce garçon m'a dit... Vous savez, j'admire votre mari. Cette phrase me revient sans cesse. Qu'en pensez-vous, monsieur Derrick? Que peut bien vouloir dire une telle phrase? Je vais essayer de vous l'expliquer le plus clairement possible, si je ne me trompe pas. Il arrive parfois dans la vie que certaines personnes se retrouvent dans une situation face à laquelle ils se posent des questions auxquelles ils doivent apporter une réponse sans ambiguïté. Et ensuite, ils doivent assumer cette réponse. Et vous pensez que mon mari se trouvait dans cette situation? Oui, je pense que oui. Est-ce que... Son suicide est la réponse? La réponse à une certaine question, sans aucun doute. S'il te plaît, Harry, peux-tu expliquer à madame ce que tu as découvert au sujet des dons d'organes? Il existe une organisation internationale de dons d'organes. En réalité, il s'agit plus d'un circuit de distribution. Certains organes sont recherchés, puis prélevés, et enfin ils sont proposés. Et tout est fait suivant un processus bien défini, qui défie les lois de la morale. Tout commence dans un contexte dramatique, où tous les éléments se conjuguent. On se retrouve dans un monde où l'espoir et le désespoir se côtoient. La souffrance, la douleur, la peur et la mort. Il y a de l'argent à gagner avec la maladie. Et beaucoup de gens l'ont compris. Des gens dépourvus de toute moralité. Ils sont capables d'aller très loin dans le seul but de se faire de l'argent. Ils n'ont aucun scrupule. Tenez, regardez. Nous avons reçu quelques rapports venant d'Interpol sur des meurtres qui ont eu lieu au Brésil et partout ailleurs dans le monde. Ces meurtres ont été commis sur des jeunes gens et des jeunes filles afin de revendre leurs organes au marché noir. Oui.
C'est malheureusement la vérité. J'aimerais pouvoir prouver que ce genre de marché noir n'existe pas chez nous. Il faut pourtant se rendre à l'évidence. Nous vivons dans un monde de profiteurs sans scrupules. Et quand on a de quoi mettre de l'argent sur la table, on peut obtenir tout ce qu'on désire. C'est la loi de l'argent. Nous avons tout lieu de penser que votre mari a obtenu un cœur en passant par une de ses filières. Ce jeune garçon m'avait tout d'abord inquiétée. Maintenant, je suis très angoissée. S'il vous plaît, essayez de vous souvenir de ce qui s'est passé avec votre mari il y a 8 jours. Ce qui s'est passé avec votre mari il y a 8 jours. Tu ne veux pas me dire ce qu'il y a? As-tu besoin de quelque chose? Est-ce que tu entends ce que je te dis? Si ça ne va pas, dis-le-moi, je peux peut-être t'aider. Pourquoi ne décroches-tu pas le téléphone? Oui, bonjour, c'est moi. Tu peux me passer ton mari? Je suis vraiment désolée. Il refuse de parler à qui que ce soit, Bertram. Alors demande-lui s'il est conscient des conséquences de ses actes. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas lui parler? Je vais le mettre dehors très vite. Je vais le mettre dehors très vite. Seulement, votre mari ne l'a pas mis dehors, n'est-ce pas? Non. Et depuis ce jour-là, il n'a presque plus quitté sa chambre. Jusqu'à ce matin où il est monté dans sa voiture, qu'il est parti sans dire au revoir. Puis-je vous poser une question? Avez-vous le sentiment de devoir quelque chose à votre mari? Pourquoi me posez-vous cette question? Je vais vous faire une proposition. Vous allez rendre visite à ce Bertram. Quelles sont vos relations avec cet homme? Vous vous entendez bien avec lui? On se connaît depuis longtemps. Ça fait des années que nous sommes amis. Bien. Vous allez lui rendre visite et vous allez lui communiquer de façon très confidentielle que la police s'intéresse beaucoup à lui. Puis vous l'écouterez attentivement. Ce sera très intéressant de voir comment il va réagir et ce qu'il va vous dire. Bien. Moi, je vous dirai comment vous devez vous y prendre pour aborder le sujet sans qu'il s'en étonne. La police s'intéresse à moi, mais pourquoi? Pour quelle raison? C'est au sujet de la grève du cœur. Pour eux, j'aurais dû être au courant pour l'opération. Et toi aussi, tu aurais dû le savoir. Ils sont très étonnés qu'on ne sache rien. Eva. Je vais te donner un bon conseil. Tu vas dire que tu ne sais rien, tu m'entends? Tu ne sais rien. À l'époque, on était dans une situation critique. Mais on savait tous les deux qu'il pouvait mourir d'un jour à l'autre. J'ai dû payer 100 000 marques pour qu'on le sorte de là immédiatement. Et qui a touché cette somme? Qu'est-ce que ça veut dire? En payant, je l'ai aidé, je lui ai sauvé la vie. Alors s'il te plaît, tu ne poses pas de questions. Tu ne dois pas souffrir beaucoup, de toute façon, tu n'aimais plus ton mari. Votre couple était foutu. Alors ne fais pas semblant de t'intéresser à lui maintenant. On va définir une position et on s'y tiendra. Nous devons leur dire, et on n'en démordra pas, que Ludwig n'était plus le même depuis qu'il avait subi son opération. Il avait beaucoup changé. Il n'était plus du tout le même. L'histoire de la fille confirmera nos dires. Il était capable de passer des heures assis sur une chaise, complètement indifférent à ce qui l'entourait. Ensuite, il recommençait à hurler. Il menaçait de me licencier. Au fait, est-ce qu'il t'a dit pourquoi? Est-ce qu'il t'a donné une raison? S'il te plaît, c'est important pour moi. Est-ce qu'il t'a donné une raison? Non. À présent, oublie toute cette histoire. Et pas un mot de tout ça à qui que ce soit, c'est compris? À personne.
as enregistré notre conversation. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pour moi. Et j'aimerais le donner à la police. On pense que c'est toi qui es allé dire à mon mari à qui appartenait le cœur. Tu lui as dit que la fille avait été assassinée. Comment on arrête ça? Je voulais nous protéger. Je vois que maintenant, ce n'est plus possible. On va aller voir ces policiers. Bien sûr qu'on a pris des renseignements sur vous. C'est une évidence. Alors, vous savez que je mène une vie très conventionnelle. Mais dans cette histoire, ça n'a aucune importance. Dans un club privé, j'ai rencontré un homme, un Italien. Très sympathique. Et digne de confiance. On discutait et à un moment, on en est venu à parler de Ludwig Dallinger. Cet Italien m'a dit qu'il pourrait peut-être nous aider. Qu'il connaissait du monde dans le milieu médical. Alors, j'ai décidé de lui faire confiance et je l'ai écouté. Je voulais sauver Ludwig. Seulement, ça coûtait cher. Il a très rapidement annoncé son chiffre. 100 000 marques. Dès le lendemain, j'ai dit à Ludwig, mais on a cet argent. On peut le prendre sur un compte de la société. Tu dois aller à Rome. Là-bas, tu seras opéré dans une clinique privée qui pratique ce genre d'opération. Et dans la plus grande discrétion. Mais quand il s'agit de sauver sa peau, il ne faut pas être regardant. Seulement, il y a une condition. Tu ne dois rien dire à qui que ce soit. Ça ne lui plaisait pas. Alors je lui dis, Ludwig, une chance offre à toi, ne la laisse pas passer. Il a accepté au bout de 2 jours. Il m'a confié tous les documents qu'il avait pu se procurer chez son médecin pour se constituer un dossier. Il fallait absolument que l'on trouve un donneur compatible pour éviter le rejet. J'ai pris le dossier pour le donner à l'Italien. Puis je suis allé retrouver cet homme au club où je l'avais rencontré. Je lui ai donné l'argent, il a vérifié si le compte y était. Et il m'a dit, d'accord, je vous aviserai dès que votre ami pourra venir à Rome. Ensuite, on a attendu. Oui. Quelques jours plus tard, je suis retourné dans cette discothèque. Je me disais qu'avec un peu de chance, je retrouverais l'Italien. Et je pourrais lui demander où en était l'affaire. Effectivement, je l'ai vu sur le parking. Il montait dans sa voiture avec d'autres personnes. Alors, j'ai couru pour l'empêcher de démarrer. Mais il ne m'a pas vu. Par terre, il y avait quelque chose. C'était un sac. Un sac à main. J'ai ouvert le sac à main. C'était un sac de femme. Avec le contenu habituel. Un peu d'argent. Et des papiers. Le nom de cette jeune fille était Ulrike Kirchheimer. Je n'ai pas du tout imaginé ce qui s'était passé. Jusqu'à ce que je lise dans le journal qu'une jeune fille avait été portée disparue. Après avoir été vue pour la dernière fois dans une discothèque. Et qu'elle s'appelait Ulrike Kirchheimer. J'ai gardé le sac. Quelques jours plus tard, l'Italien m'a appelé. Tout est arrangé. Il m'a dit qu'il avait trouvé quelqu'un, que Ludwig n'avait plus qu'à se rendre à Rome. Il vous a dit qu'il avait trouvé quelqu'un. J'ai voulu savoir ce que signifiait ce « j'ai trouvé quelqu'un ».
m'a juste répondu. Vous posez trop de questions. Contentez-vous des faits. Le cœur est là. Le cœur est là. Ludwig devait aller à Rome. À l'aéroport, il devait se rendre au guichet des renseignements, donner son nom, et là, quelqu'un devait l'emmener ailleurs. J'ai gardé pour moi l'incident du parking. Je ne voulais pas traumatiser Ludwig. Jusqu'à il y a 8 jours. Oui. Oui. Oui, nous avons eu des mots, tous les deux. C'était ma faute. J'avais commis des erreurs. Des erreurs d'estimation de coût sur les devis. Il voulait me mettre à la porte. Il voulait me mettre à la porte. Licencié. Tu veux me virer de l'entreprise, tu plaisantes? Je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire qu'il ne pouvait pas me mettre dehors. Et je lui ai dit tout ce que je savais. Je lui ai montré le sac. Ce sac que je cachais depuis 2 ans. Quand j'ai vu sa réaction, j'aurais voulu sincèrement faire machine arrière. Je regrettais de lui avoir montré ce sac. Je lui ai dit que j'étais désolé, que je lui faisais des excuses. Mais qu'on ne pouvait plus rien changer maintenant, qu'il valait mieux tout oublier. Il ne disait rien. En reprenant le sac, je lui ai dit, Ludwig, nous n'avons tué personne. Il n'écoutait plus. C'est depuis ce jour-là qu'il est rentré à la maison, qu'il s'est enfermé et qu'il n'a plus dit un seul mot. Mais il n'avait vraiment rien à voir là-dedans. Monsieur Bertram, nous aurions besoin d'une description précise de cet individu, cet Italien. Vous prendrez votre temps, mais n'omettez aucun détail pour le portrait robot. Venez par ici. Voici vraisemblablement le meurtrier, je dis bien vraisemblablement le meurtrier de votre sœur. Je dois aussi vous dire que nous ne savons pas qui c'est ni où il est. Nous n'avons aucune preuve que ce soit lui l'assassin, mais l'avis de recherche est parti aujourd'hui. Je peux le garder? Oui, vous pouvez le garder. Ce portrait robot a été distribué dans tous les postes de police ainsi qu'aux frontières. J'avoue que je n'ai pas énormément d'espoir qu'on puisse le retrouver. Qui vous a donné sa description? Quelqu'un qui vous connaît. Vous pouvez me dire qui? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Je dois parler à son frère? Pourquoi? J'ai déjà tout dit. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Il veut vous voir pour que vous lui parliez de cet Italien. Non, c'est hors de question, inspecteur. Il attend dehors. Vous pouvez me croire, je suis désolé que ça se soit terminé ainsi. Je suis totalement désespéré, je n'arrive plus à dormir. Vous avez bien dormi pendant ces 2 ans, pourtant. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous pourriez me montrer le sac de ma sœur. Celui qu'elle a perdu sur ce parking. Est-ce nécessaire? Mmh.
Où sont ses papiers d'identité? Dans le sac. Avec tout le reste. Vous avez montré le sac à M. Dallinger? Il me semble que je l'ai déjà dit. Oui, je le lui ai montré. Et sa carte d'identité? La carte d'identité? Avec son nom et son adresse? Oui, avec son nom et son adresse. Comment il s'est comporté? Comment il s'est... Il est resté assis. Sans réagir. Sans rien dire. Vous allez me conduire dans tous les endroits où vous avez rencontré l'homme qui est parti avec ma sœur. Il le faut vraiment? Vous êtes celui qu'il connaissait le mieux de nous tous. C'est là que je lui ai donné l'argent. Et ma sœur avec? Ça, je l'ignorais. Si j'avais su. Je les ai vus ici. Je voudrais vous dire que j'implore votre pardon. C'est Madame Dallinger à l'appareil. Le jeune Kirchheimer est chez elle. Madame Dallinger? Oui. Oui, il est ici. Je lui ai demandé de passer pour me parler de mon mari. Je vais le raccompagner chez lui. Est-ce que vous avez du nouveau? J'ai une question pour Monsieur Kirchheimer. Qu'a-t-il fait à Monsieur Bertram? Il ne va plus au bureau. Il est toute la journée dehors à la recherche de notre homme. Je lui demanderai. Écoutez, j'ai prévenu mes parents. Vous pouvez venir sans aucune honte. Parlez-moi de mon mari. Comment était-il? Qu'a-t-il dit quand vous l'avez rencontré? Quelle impression vous a-t-il fait? J'ai le sentiment de ne l'avoir jamais connu. Pas comme j'aurais dû le connaître. Lui aussi a regardé ses photos? Oui. Et il était assis là où vous êtes assise. Et il a regardé cet album. Nous ne savions pas pourquoi il le regardait. Mais nous ne comprenions pas ce qu'il cherchait en regardant ces photos avec autant d'intérêt. Cela nous a inquiétés un peu, je l'avoue. C'est après que nous avons enfin compris. Je suppose que c'est ici, à cette place et à ce moment-là, pendant qu'il regardait les photos, qu'il a pris la décision de se suicider. Maintenant, nous associons votre mari dans nos prières. Il nous a redonné quelque chose. La croyance en cette vie qui nous est si précieuse. Excusez-moi, mademoiselle. Est-ce que vous avez déjà vu cet homme ici? Ah non, je suis désolée. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que ce visage vous dit quelque chose? Je l'ai jamais vu, désolé. Merci. Excusez-moi, vous avez déjà vu cet homme dans cette discothèque? Non. Et vous, madame? Non. Viens, on va danser. Bonsoir, excusez-moi. Est-ce que ce visage vous dit quelque chose? Non.